Jésus dit, tenez ferme en moi. Trompette d'appel de Dieu. 31 mai 2010, de la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée au cours d'une réunion en ligne entre frères pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Voici, la calamité augmentera et se ressentira dans tous les coins, et des dizaines de milliers d'hommes tomberont. Des multitudes se coucheront dans la mort, cernées par la dévastation, et tous seront dans la peur. De grands gémissements seront entendus d'une extrémité à l'autre de la terre, et beaucoup se tourneront contre moi. Même parmi tous ces troupeaux épars, il y en aura beaucoup qui se détourneront et se moqueront de mes promesses. Ainsi, ce qui est écrit sera accompli. Voir 2 Pierre, chapitre 3, 3 à 4. Voici, même certains parmi ce petit troupeau s'éloigneront de la foi, disant en eux-mêmes, où est la promesse de sa venue? Mais vous, mes fils, n'abandonnez pas votre foi. Tenez ferme, maintenez vos pieds fermement sur le rocher, fixez votre regard sur le roi, tenez vos épaules droites et maintenez-vous en ordre de bataille. Car le Saint d'Israël descend un jour où vous ne vous y attendez pas et à une heure où vous ne l'attendez pas. Préparez-vous donc et soyez prêts, car il est temps. Considérez ceci, dit le Seigneur. Réfléchissez-y et recevez-le aussi. Par de bonnes œuvres, vous ne me trouverez pas, mais de bons travaux se trouvent en moi. Et par mes œuvres, vous commencerez à me connaître, car mes œuvres seront faites en vous. Mais comprenez aussi ceci. Là où se trouve la capacité de l'homme, la fierté suit de près. Mais celui qui se rend au Seigneur recevra des ailes d'aigle. Oui, rien ne lui sera impossible, car je serai avec lui et en lui, dit le Seigneur. En ce jour-là, où que je sois, mes serviteurs seront là aussi, et où que je sois, mes serviteurs me suivront. Et tout ce que je déclare sera faite en un instant, et ceux qui sont choisis iront pour moi sans hésiter, et ce que je déclare en ce lieu sera entendu dans un autre. Et rien ne pourra plus retenir mes serviteurs de quelque façon que ce soit, déclare le Seigneur, car c'est moi, le roi de gloire, qui y est parlé.